Donc là, je suis en train de me préparer pour la première navigation. Tout à l'heure, je pars avec Arthur sur son voilier. Arthur et Soisy, on les a rencontrés samedi. On a bu un café ensemble avec Clément. C'était très très chouette. Eux, ils ont pour projet de partir en Écosse pendant 4 mois. Ils ont un beau voilier en acier. Et ils sont contents de partager avec nous sur leur projet. Et Arthur m'a proposé gentiment de venir avec lui aujourd'hui pour ma première navigation, première sortie en mer. C'est une sortie qui va durer entre 2 et 4 heures. On doit amener le bateau près d'un chantier naval pour qu'ils puissent ensuite le sortir de l'eau et le repeindre pour être prêt pour leur voyage. Donc bah, je vous raconte tout à l'heure comment ça s'est passé. On croise les doigts. À toutes. Donc retour avec vous sur la première navigation. Oui, comment c'était Vini? Eh ben, c'était terrible. J'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Allez, première sortie, premier mal de mer, on lâche rien. Donc bah, ça a été un petit peu compliqué la soirée, je vous cache pas. J'étais un peu au fond du trou de me dire bon bah finalement on va peut-être repartir sur une idée de camion. Mais comme on est du genre têtu et que bon, on va quand même pas baisser les bras sur la première sortie, et ben j'y suis retournée le lendemain. Ça s'est super bien passé. Donc tout ça pour vous dire que quand on a des projets comme ça, il faut aussi savoir rester humble, avoir l'honnêteté de voir là où on en est. Et malgré tout, bah, continuer à poser les petites briques pour aller jusqu'au bout de ses rêves. Et donc je remercie encore Arthur et Soisic pour leur sortie. Merci pour la patience, merci pour l'apprentissage, et puis j'espère qu'on en fera bientôt d'autres ensemble. Et puis je remercie aussi tous ceux qui nous suivent là dans cette aventure, merci pour votre soutien, et puis à très bientôt.